Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue chez les mulets. Aujourd'hui, je vous présente la recette des galettes bretonnes, un sablé très facile à faire pour déguster avec un café ou au goûter pour les enfants. C'est un sablé qui se conserve très très bien dans une boîte en fer et vraiment qui est très économique au niveau prix de revient. Voilà, donc je vous retrouve en vidéo pour les ingrédients et la recette. Merci. Les ingrédients. Il faudra 150 g de farine T45, 90 g de beurre, donc j'ai utilisé du beurre demi-sel, coupé en petits morceaux température ambiante, du sucre, 60 g de sucre, un jaune d'œuf et j'utilise de la gousse de vanille en poudre pour réaliser ces galettes bretonnes. Dans le bol du robot, on va verser le beurre. Le sucre. Le fouet. On met aussi la gousse de vanille. Donc on met de la vanille en poudre. On fouette jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Le mélange est bien crémeux. On ajoute le jaune d'œuf. Et on fouette à nouveau. Jusqu'à ce que le jaune d'œuf soit totalement incorporé. Le mélange doit avoir cette consistance. Ensuite, on ajoute la farine. Et on va commencer à travailler avec la maryse. Et après, on va travailler la pâte avec les doigts pour former une boule. Là, on voit, la pâte est bien sablée. Hop, ça fait comme du petit sable. On va la travailler avec les doigts jusqu'à l'obtention d'une boule homogène et qui ne colle pas aux mains. Donc c'est assez rapide, hein. C'est une pâte très très souple, riche en beurre et que l'on va laisser ensuite reposer au frigo pendant à peu près 1h30, donc 1h30 minimum. Voilà, on voit que le beurre permet à la pâte de s'agglomérer. Voilà, hop, vous voyez, c'est très très rapide. Et le bol reste propre. Alors, il ne faut pas trop la travailler. Hein. C'est une pâte sablée. Elle est souple. Pour faire la boule, c'est vraiment quelques minutes. Hop. Voilà. Hop. On rassemble tous les morceaux. Belle petite boule pour faire nos galettes bretonnes.
Après, ça se termine. Voilà. On va la filmer. Alors, je l'aplatis un petit peu. Voilà, je fais un petit rectangle. Ou un petit carré. Hein. Mais assez plate, comme ça, elle refroidit bien. Et pour l'étaler après, c'est beaucoup plus facile qu'une boule. Voilà, c'est parti. On la filme et on la laisse au frigo pendant à peu près... Oh non. Minimum 1h30. Au bout d'une heure trente au frigo, on ressort la pâte. On la pose sur du papier sulfurisé. Et on va venir étaler la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Toutes les pâtes qui ont du beurre, pas mal de beurre, donc ça évite à la pâte de coller sur le rouleau à pâtisserie. Et donc on va étaler la pâte environ 3 mm d'épaisseur pour pouvoir couper des galettes. Voilà. Donc au début la pâte est un petit peu dure, mais au fur et à mesure des allers-retours, voilà, la pâte va s'assouplir. Enlève la feuille de papier cuisson et on vient à l'aide d'un emporte-pièce. Donc moi j'ai choisi un emporte-pièce de 6 cm de diamètre et cannelé. On peut faire droit ou cannelé. Moi j'aime bien cannelé, je trouve que c'est une belle forme. Et on va venir découper les galettes dans la pâte. Un petit peu épaisse. On la pose sur une plaque à pâtissier anti-adhésive. Voilà. On en découpe plusieurs. Lorsqu'on arrive à ce genre de choses, hop, on va refaire une boule et on réétale la pâte et on découpe des galettes jusqu'à épuisement de la pâte. Voilà, je reforme une boule. Je réétale la pâte jusqu'à épuisement. Donc avec la quantité de pâte, on fait à peu près 25 biscuits. Alors, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez. Si vous voulez des biscuits un peu plus épais, vous en aurez dans un peu plus épais, à peu près 5 mm d'épaisseur, vous en aurez une vingtaine. Si vous voulez des biscuits plus fins, voilà, une trentaine de biscuits. Après, il faut qu'il y ait suffisamment de pâte, voilà, pour garder le croustillant du sablé.
je continue à découper. Alors, vous pouvez utiliser la forme que vous voulez. Hein. Moi, j'ai utilisé ça. Vous pouvez très bien prendre des triangles, des carrés, des personnages. Donc, vous pouvez utiliser la forme qui vous va le mieux. Alors, il faut faire assez vite parce qu'à un moment donné, la pâte, du moins le beurre, sera molli. Et... Le beurre fond dans la pâte, donc ça risque de faire quelques petits biscuits, voilà, un petit peu déformés. Les galettes sont découpées, je vais les enfourner à 190 degrés pendant 10 minutes. C'est parti. Au bout des 10 minutes, on retire les galettes du four. Elles sont très très belles. Alors, vous pouvez les dorer au jaune d'œuf. Moi, j'avais pas assez d'œufs, donc ben, je les ai pas dorés. Mais vous pouvez les badigeonner de jaune d'œuf battu et faire des petits dessins dessus. Mais moi, je les aime bien comme ça, tout simple. Très économique. Voilà, donc les galettes bretonnes sont terminées. Il faut les laisser refroidir avant de les sortir de cette plaque, sinon ils vont se casser. Donc en refroidissant, ils vont durcir. La recette des galettes bretonnes est à présent terminée. Voilà, une galette très très croustillante. Voilà, riche en beurre et très économique au niveau fabrication. La phase la plus longue, c'est celle où on découpe les galettes dans la pâte. Lorsqu'elles sont totalement refroidies, on les conserve dans une boîte en fer et on peut les garder plusieurs semaines. Alors on les déguste au café, voilà, au goûter pour les enfants. Vraiment, c'est formidable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de suivre notre chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce et je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo gourmande. À très bientôt, merci, prenez soin de vous.